nous prions que en ce moment, oui, Seigneur, ce moment, que nous voulons passer en ta présence, Seigneur. Bien, je prends autorité maintenant contre tout esprit des eaux, contre tout esprit qui opère dans les eaux, et tout esprit, Seigneur, des sirènes des eaux, contre tout esprit des serpents des eaux, contre tout esprit, Seigneur, qui opère, Seigneur Jésus, oui, Papa, dans les eaux, à l'instant, je prends autorité contre eux maintenant, je les menace maintenant, je les chasse maintenant de cette eau, Papa, Seigneur. Seigneur, nous prions, Papa, Seigneur, à l'instant, Seigneur, que cette eau maintenant se transforme maintenant, Seigneur, en ton sang, Seigneur. Cette eau maintenant, Seigneur, devient maintenant ta puissance, maintenant ta gloire. Oh, maintenant, Seigneur Jésus. Oh Père, je prie, Seigneur, au moment où nous allons plonger ta servante, ta fille dans cette eau, Seigneur, qu'elle reçoit ta puissance. Qu'elle reçoit, Seigneur, la puissance, Seigneur Jésus. Qu'elle reçoit le Saint-Esprit, Jésus. Le Saint-Esprit de l'embrasse, Seigneur Jésus, Papa. Seigneur, nous prions, pas, Seigneur, que cette eau soit sanctifiée, que cette eau soit nettoyée, que cette eau, Seigneur, devienne maintenant au plus, Seigneur Jésus, au pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Comment vous allez? J'essaie de vous porter très bien. Voilà, Jésus. Aujourd'hui, c'est encore une autre étape. Alléluia, vous avez déjà préparé d'autres étapes jusqu'à l'heure là. Et aujourd'hui, c'est encore une autre nouvelle étape. Et cette étape, j'espère que vous comprenez bien ce que vous voulez faire. C'est le baptême au nom de Jésus. Maintenant, quand on parle de baptême, qu'est-ce que vous comprenez? Je dois mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Alléluia. Les choses anciennes, je dois abandonner tout et reprendre une nouvelle vie avec Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc être baptisé ou le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Et quand on parle de mourir avec Christ, ressusciter avec lui, c'est qu'il faut enterrer les anciennes choses, les anciens comportements, les choses infructueuses, les actes infructueux, les actes qui ne glorifient pas Jésus-Christ, cette date doit être enterrée. Alléluia. La colère devait être enterrée. Le mensonge doit être enterré. La vie de péché doit être enterrée. Et maintenant, te réveiller avec Christ maintenant, retirer avec Christ maintenant, et te revêtir maintenant de nouvelles vies. Alléluia. Cherchez à marcher selon Christ. Cherchez à mettre les pas dans les pas de Christ. Ça, ressusciter avec Christ, c'est ça la nouvelle vie. Alléluia. Et voilà un peu ce que nous voulons faire. Est-ce que vous êtes réellement prêts? Prêts pour vraiment abandonner votre vie passée, pour vraiment renier quelque chose complètement à la vie passée. Voilà Jésus-Christ. Si vous êtes prêts, le Seigneur va vous aider. Et vous ne pouvez rien par vous-même. Mais il nous a dit que sa puissance, sa force, le Saint-Esprit qui est en nous, va nous conduire dans tout nos démarches, dans tout ce que nous allons faire. Donc le Saint-Esprit est là comme votre directeur, il est là comme votre conducteur, il est là comme tout pour vous, comme le socle de votre vie. Et c'est à lui de vous conduire. Il suffit juste de vous abandonner à lui. Et il est là pour vous conduire, il est là pour vous diriger, il est là pour faire tout. Amen. Donc voilà ce que nous sommes venus aujourd'hui pour faire mourir avec un puissant, ressusciter avec un puissant. Abandonner sa vie passée et se revêtir maintenant de nouvelles vies. Chercher maintenant à perfectionner maintenant sa marche avec Jésus-Christ. Chercher maintenant à marcher selon Christ. Chercher maintenant à imiter Christ. La Bible déclare dans le livre de Jésus. Soyez les imitateurs. Donc nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Et nous savons bien que Jésus-Christ étant sur la terre, il est béni sur la terre, il n'a pas péché. Donc, si on nous dit que il a fait ça pour tout, il peut rester sur la terre sans péché. Bon, comme Christ nous a dit que lui, il est resté sur la terre sans péché, nous pouvons chercher à l'imiter. Et tout, c'est ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Nous cherchons à imiter Christ. Nous cherchons, c'est vrai que c'est difficile. Sur ce chemin, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre.
Mais dans notre cœur, nous avons la foi qu'avec le Saint-Esprit, on peut. Donc c'est pourquoi chaque fois, nous nous efforçons pour pouvoir atteindre la perfection. Et je crois, par son esprit qui est en nous, nous allons atteindre cette perfection au nom de Jésus-Christ. Donc voilà un peu. Et c'est comme de l'éternel, dites-moi, quand vous regardez votre histoire, ou quand vous méditez la Bible, quand vous parlez, et quelle histoire ressemble à votre histoire, ou quelle histoire vous dites, mais attends, quand vous lisez cette histoire, cette histoire-là vraiment de la histoire. Et telle personne, nous, telle personne de la vie, vraiment pour quel désir, sa manière de faire avec vous. Parce que c'est le moment où vous voulez demander. Et c'est le moment où vous voulez être connecté au Saint-Esprit. Donc il faut que vous ayez une référence. Alléluia. Il faut que vous ayez une référence. Peut-être quand vous voyez dans le monde, vous aimez peut-être des chansons, des mots ou des trucs modernes. Quand vous voyez tel artiste, quand vous voyez tel personnage ou tel star, vous dites, ah, vraiment celle-là. Elle me dit beaucoup, mais celui-ci, vraiment, c'est une manière de faire. Elle me dit beaucoup, vraiment, c'est mon star, c'est mon idole, c'est mon Dieu. On avait l'habitude de le dire ainsi. Par exemple, moi, avant, j'aimais tellement le football, et c'était Cristiano Ronaldo, mon idole. Je disais, ah, Cristiano Ronaldo est mon idole. Donc, même pour mes maillots, pour tout ce que je faisais tout pour pouvoir imiter et Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ m'a visité, Jésus-Christ m'a arraché. De la même, aujourd'hui maintenant, je fais tout pour être comme Daniel. Alléluia. Ouais. Et je fais tout pour imiter Daniel. Ouais. Et la main dont Jésus avait dit Daniel dans la Bible, je prie toujours Dieu de m'utiliser ainsi. Ouais. Donc vous, même qui êtes là, dites-moi en bref, quelle est votre histoire ou quelle histoire vous avez là. Voilà. Je vais savoir. Donc ce nom vraiment vous tient à tête. Parce qu'elle a osé. Avant, on ne pouvait pas aller devant le roi pour ouvrir sa bouche, même pour lui parler. Il faut des doléances. Mais pour que son peuple soit sauvé, elle a osé. Elle a pris l'engagement, une détermination, et elle allait devant le roi pour pouvoir vraiment demander au roi plaider. Amen. Le Seigneur peut m'aider. Alléluia. Si vous désirez, vous l'aurez quand même. C'est ça. Peut m'aider parce que ma famille, vraiment, c'est des idolâtres. Ma famille est vraiment idolâtre. Donc, vraiment, je veux être cette femme-là. Je vais m'arrêter. Tu vas plaider vraiment pour la famille. C'est ça. Du Seigneur. Voilà Jésus-Christ, voilà que le Jésus-Christ vraiment vous participe. Alors nous allons prier sur la demande de Dieu. D'abord dites-moi, et après ce baptême, que voulez-vous que le Seigneur fasse? C'est que ce que vous voulez, c'est votre cœur qui doit parler ici. Seigneur, après ce baptême, je veux que tu fasses quelque chose, je veux que tu me fasses, je veux que tu fasses, je veux que tu fasses. C'est ce que vous voulez. Après ce baptême, vraiment je voudrais. Que le Seigneur me remplisse son esprit. Parce que vraiment, il y a des gens quand tu vas devant eux pour leur parler de la parole de Dieu. Vraiment, c'est un peu difficile. Que le Seigneur vraiment me donne cette grâce-là de leur parler. Et que quand je leur ouvre ma bouche pour leur dire que vraiment le Seigneur les touche, je les accepte. Amen. Amen. Et vous-même, bon. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur si vous n'avez pas quelque chose? Bon, c'est vrai, dans la première question, vous voulez gagner dedans pour Jésus. Bon, d'accord. Donc nous allons prier pour la personne de Dieu, Seigneur Jésus. Voilà, Seigneur, son désir. Voilà ce qu'elle désire, papa. Seigneur, elle veut, Seigneur, qu'après ce baptême, Seigneur, que tu la remplis, Seigneur, de ta puissance, de ta gloire, de ton notion. Seigneur, après quelque chose à construire. La mission que tu l'as accordée, la mission d'aller sauver les âmes, la mission d'aller plaider pour sa famille, la mission d'aller sauver sa famille. Seigneur, tu nous as dit, celui qui sort de sa maison et qui va aller gagner des âmes, qui va aller sauver des âmes, sans pouvoir sauver sa famille, est plus pur qu'un païen. Seigneur Jésus,
je prie, Seigneur, permets, Seigneur Jésus, qu'elle commence le travail par sa maison, sa propre maison, sa famille, sa propre famille, moi confesse ce que tu es Dieu, par elle, Seigneur Jésus, que sa famille confesse que tu es le véritable Dieu, Seigneur, par elle, Seigneur, que des miracles sont faits dans la famille, Seigneur, par elle, Seigneur, que des promesses sont faites dans la famille, Seigneur, par elle, Seigneur, que des grandes choses sont faites dans la famille, Seigneur, je prie, papa, Seigneur, à part aujourd'hui, que tu l'utilises. Comme tu as utilisé Esther, Seigneur, que tu l'utilises. Comme tu as utilisé Esther, tu l'utilises. Comme tu as utilisé tes servantes Esther dans la vie. Oh Père, je te prie de te remercier, Père. Seigneur, que tu nous honnes davantage. Seigneur, honne 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 davantage. Seigneur, je prie maintenant, que tu l'embrasses par ta puissance. Seigneur, après ce baptême d'eau, que la puissance l'embrasse. Puis dans la place. Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que tu l'as revêtu maintenant de la vertu, de la plus vertueuse. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une femme qui a la sagesse. Une femme qui a la sagesse. Une femme qui a la sagesse. Une femme qui a l'amour pour toi. Une femme qui est. Que tu révèles la vie de cette âme afin qu'elle puisse gagner l'âme, Seigneur. Seigneur, autant l'âme a besoin instantanément, Seigneur. Tu la révèles cela afin qu'elle puisse se sauver là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ici. Seigneur, voilà ce nom, Esther. Votre ancien nom. Voilà. La sœur Esther. Voilà Jésus. Voilà Seigneur, le nouveau nom que tu accordes à ta servante. Esther Lucie. Seigneur, ce n'est plus Lucie d'avant, mais c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle identité qui est ici présent. Seigneur Jésus, de la même manière que tu as fonctionné avec Esther, je prie papa que tu fonctionnes avec elle. Seigneur, les bénédictions, oui, les grandes bénédictions, les grâces que Esther a trouvées devant toi. Seigneur, qu'elle retrouve également cette grâce. Seigneur, que cette grâce la localise. Seigneur, que cette onction la localise. Que cette bénédiction la localise. Et ce nom Esther s'attache désormais à son âme. Ce nom s'attache désormais à son âme. Ce nom s'attache désormais à son âme. Le nom par lequel tu vas l'appeler, Seigneur, aujourd'hui. Le nom par lequel tu vas l'appeler. Et tu dois dire, Seigneur, sois le bienvenu. Ma fille Esther ici. Oh, vaillant de guerrière, vaillant de soldat, sois bienvenu dans mes mains. Seigneur, oh, le jour où tu vas l'embrasser, le jour où tu vas l'embrasser, le jour où tu vas le faire accolade, Seigneur, que tu puisses dire, sois bienvenu ma fille, Esther de ta maison. Sois bienvenu ma fille. Oh, Père, je prie, Seigneur, la grâce que Esther veut devant toi. La miséricorde que Esther se fait devant toi. Seigneur, que cette miséricorde, cette grâce, cette faveur, Seigneur, localise ton âme. Seigneur, localise ton âme. Seigneur, localise ton âme. 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 Oh Jésus, Seigneur, si tu as mis le nom Esther dans sa bouche, ce n'est pas par hasard. Non, Jésus, il n'y a pas hasard avec toi. Seigneur, si tu l'as inspiré, le nom Esther, c'est parce que tu veux faire quelque chose de ta vie. C'est parce que, Seigneur Jésus, tu veux l'utiliser, Jésus, tu as converti les terres, tu veux l'utiliser, Jésus, à ce que tout le monde te crée, Jésus. Mais à partir de ce moment, que par elle, que tu as dit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Servante Esther Lucie, vous allez faire comme ça. Bon, si vous pouvez garder la conseil, il n'y a pas de problème. Mais essayez de le mettre comme ça ou comme ça pour que l'eau n'entre pas. Juste pour que l'eau n'entre pas. Voilà. Servante
Esther, Lucie, aujourd'hui nous vous baptisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui vous êtes morte avec Christ et ressuscité avec Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie papa, Seigneur. Seigneur, parce que c'est mon Seigneur Jésus, papa. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie Seigneur Jésus. Seigneur, que ta puissance la place maintenant. Que la puissance la place maintenant. Ta gloire descend sur elle maintenant. De ta puissance, Seigneur, descend sur elle maintenant. Ta gloire, Seigneur Jésus. 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 Seigneur, ta gloire, Seigneur Jésus. Yes, Seigneur, Seigneur. Seigneur, dans sa chambre, elle ne fait que pleurer. Seigneur, même dans son cœur, Seigneur, elle ne fait que pleurer.
même sans rien dire, Seigneur, elle pense, elle pleure dans son cœur. Père, aujourd'hui, Seigneur, tu la restaures. Seigneur, tu la restaures. Seigneur, tu la restaures. Reçois la paix dans ton cœur. Seigneur, tu la restaures. Reçois la joie dans ton cœur. Tu la restaures. Reçois la paix dans ton cœur. Seigneur, tu la restaures. Reçois maintenant la puissance. De la paix, de la joie, de l'amour. L'empêcher, Seigneur, de te servir. Tout ce qui s'est fait de vie, l'empêcher de te servir en vérité et en sincérité. Seigneur, ce matin, papa, Seigneur, tu l'as déposé au nom de Jésus. Seigneur, tu déposes au nom de Jésus. Seigneur, tu sommes sacrés, Jésus. Que l'ennemi mette devant elle, papa, pour l'empêcher, papa, Seigneur, tu l'as déposé complètement. Seigneur, oui, aujourd'hui, Seigneur, ta servante Esther, Lucie, Seigneur, a pris l'engagement, Seigneur, de viser la croix, Seigneur, sans recul, papa. Seigneur, le monde derrière elle vient aujourd'hui. Et la croix devant elle, papa, Seigneur. Seigneur, je prie, papa, Seigneur. Le monde derrière n'est pas d'accord. Il ne sera pas d'accord, Seigneur. Il va tenter, Seigneur Jésus, à lui mettre un bâton dans ses roues. Père, je prie, Seigneur, à n'importe quel moment où les obstacles viendront, Seigneur. Seigneur, parle à ses oreilles, Seigneur, pour qu'elle puisse savoir que oui, ça, c'est l'attaque de l'ennemi. Seigneur, tu parles dans ses oreilles, Seigneur. Seigneur, je parle dans ses oreilles, Seigneur. Tu parles dans ses oreilles, maintenant. Seigneur, désormais, elle doit attendre ta douce voix. Oh, ta douce voix, Seigneur. Seigneur, ta douce voix. Ta douce voix. Même dans ton sommeil. Même, Seigneur Jésus, quand elle est debout comme Seigneur, qu'elle entend ta douce voix. Oui, ta douce voix, Seigneur. Oh, c'est ta douce voix, Seigneur. Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur, on est rassuré. Seigneur, quand tu nous parles, on est rassuré. En ce moment, même, comment tu entends la douce voix de l'Éternel. Tu entends la douce voix de l'Éternel. Seigneur, tu es la vérité. Alors, Seigneur, je dis, aujourd'hui, Seigneur, ça, c'est mon doigt de vérité.
en tant que servant de la vérité. Servant de la vérité. Et retenez la vérité parmi tes lignes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je mets à tes pieds les choses du sel de l'évangile. Seigneur, elle reçoit le sel de l'évangile. Seigneur, le sel d'aller sauver des âmes. Le sel d'aller annoncer ta bonne nouvelle. Le sel d'aller prier pour les âmes. Le sel d'aller parler de Jésus aux âmes. Le sel d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le sel d'aller parler de Jésus aux âmes. Le sel d'aller te faire connaître aux nations. Le sel d'aller annoncer l'évangile. Le sel d'aller prier pour les âmes. Le sel d'aller sauver les âmes. Le sel d'aller dans les hôpitaux, dans les prisons, pour aller prier pour les âmes. Seigneur, reçois ce sel. Seigneur, nous savons, Seigneur, que les femmes vont se soulever contre elle. Parce qu'aujourd'hui, elle est une prisonnière qui a échappé, qui s'est évadée. Elle a quitté, elle a fui le camp de l'ennemi. L'ennemi va lancer des appels sur elle, des recherches sur elle, contre son âme. Alors, Seigneur Jésus, tiens, mais ça va, Seigneur. Papa, ton bouclier anti-Jésus. Le bouclier anti-Jésus est là. Seigneur, le bouclier anti-Jésus est là. Le bouclier qui va lutter contre tout vent. Tu vas lutter contre toutes les flèches, les attaques spirituelles, les attaques physiques, toute attaque que le monde des ténèbres va lancer contre son âme. Parce qu'elle a, elle a décidé d'abandonner le monde et de suivre Jésus. Parce qu'elle a décidé de faire la justice. Parce qu'elle a décidé de rejeter la justice, de rejeter la paix, de rejeter la vérité partout. Seigneur, l'ennemi va se lever contre elle. Parce que l'ennemi n'aime pas la vérité. L'ennemi n'aime pas cela. Seigneur, que ton bouclier anti-missile les arrête. Quelles que soient les lances, quelles que soient les missiles, quelles que soient les combats, quelles que soient les flèches, quelles que soient les cailloux qu'on va lancer contre son âme, Seigneur, son bouclier, tu les arrêtes, mais le bouclier là pour les arrêter, mais ça t'a le bouclier de foi. Son bouclier, c'est ta foi. Son bouclier, c'est ta foi. Alors, Seigneur, que ta foi grandisse de jour au jour. De jour au jour, Seigneur, que ta foi grandisse. 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 Au moment où ta foi grandisse, son bouclier est bien solide. Son bouclier est bien renforcé. Seigneur, tu la causes l'épée. L'épée qui est la parole. 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 Pour confondre. Pour caca qui va se lever contre elle. La parole est là. L'épée est là. L'épée à double tranchant. Pour se lever. Pour combattre maintenant. Tout ce que lui va tenter à lancer contre l'âme. Contre les paroles déshonnêtes. Seigneur, que tous ceux qui se disent connaissent de la parole. Tous ceux qui se disent sages. Seigneur, l'épée est là pour les confondre. 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 Car la sagesse vient de Dieu. Oui, l'exigence vient de Dieu. L'exigence, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur, tu l'équipes maintenant de cette épée. Seigneur, qu'elle maîtrise cette épée, Seigneur Jésus. Qu'elle sait manipuler. D'ailleurs, Jésus, Seigneur, elle sait manipuler cette épée, Seigneur Jésus. L'épée que tu la crois, Seigneur Jésus, au jour le jour, Seigneur, elle doit, Seigneur Jésus, apprendre à manipuler cette épée, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, à n'importe quel moment, Seigneur, elle va prendre cette épée dans sa main, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, Seigneur, vienne la prendre, Seigneur Jésus, à manipuler. Que ton esprit, Seigneur Jésus, vienne la prendre à manipuler. Que ton esprit, Seigneur Jésus, viens l'éclairer, Seigneur Jésus, papa, pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Papa, je le veux, mais t'as dit, la terre, Seigneur Jésus, moi, il y a quelque chose qui va arriver, Seigneur, que Seigneur ta servante Esther Lucie ne t'abandonne jamais, Seigneur Jésus. Seigneur, tu l'as déjà, Seigneur, oui, tu l'as déjà racheté à un grand prix. Ne permets jamais, Seigneur, que le monde est ténèbre, Seigneur, oui, la grande vie de Dieu, entre, Seigneur, Père, garde-la dans la visée, dans la sainteté. Dans la foi pour la gloire de ton Seigneur. Merci papa parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Voilà Jésus-Christ. Amen. Amen. Dites-moi quand vous faites un premier temps. Je sais que vous avez des témoignages. Si vous avez des questions. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Approchez-vous. Oh Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on n'avait pas reçu cette joie que je ressens actuellement. Amen. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Amen. Parce que il m'a vraiment, je suis devenu une belle petite Esther. Amen. 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 Alors voilà, une belle, je sais pas comment vous l'avez dit, vous êtes une belle personne. Vraiment que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse abondamment. C'est mon droit que vous êtes prêts. Il va se soulever contre vous. Il va pouvoir vraiment à vous faire du clamer. Nous savons que, en plus, c'est un peu plus. Il va vous aider.
Cette revêtement que vous venez de recevoir, que le Seigneur vraiment soit au contrôle de tout, que le Seigneur vous accompagne dans tout. Vraiment les hommes de Dieu, vraiment merci beaucoup. Merci Jésus. Amen. Merci. Jamais que le mille la ravi encore, il a plus la décision, il a plus l'engagement, Seigneur, pour te suivre, Seigneur, ce papa. Seigneur, merci, papa, d'être avec l'esprit pour la voix de ton Seigneur. Au moment où les esprits vont se soulever contre elle, Seigneur, lève-toi comme si tu es un défenseur, papa, Seigneur, et défends sa cause, Seigneur, pour la voix de ton Seigneur, parce que tu as dit oui à toi, la vengeance et la rédemption. Alors, Seigneur Jésus, lève-toi pour son amour et sois avec nous, Seigneur. Nous, tes serviteurs, tes soldats que tu as prêts, tu nous et bien, continue de nous utiliser comme des instruments puissants dans tes mains, Papa Seigneur. Seigneur, et Seigneur, je prie pas que tu épargnes nos vies de toute missile, de toute attaque, de tout complaisant, et de tout le monde, et de tout Seigneur, contre notre vie. Seigneur, et que tu nous casses ton sang, Papa, et que tu sois toujours avec nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. 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 Alléluia. Amen. Shalom. Thank you.